Je lance un appel à l'agence de la navigation maritime, ANAM, de faire encore un tour vers Bangouya, parce que les populations ici à Tombo me disent que les gilets qu'ils ont reçus sont maintenant fatigués. Donc il faudrait qu'ils fassent un tour pour pouvoir équiper encore ces populations. Ils sont vraiment, vraiment dans les difficultés. Là où ils avaient une heure de traverser à pied, c'est-à-dire marcher même à pied, pour traverser d'ici, aller de l'autre côté, aujourd'hui, ils sont obligés de faire un détour. Ou, pour celui qui a la moto, il en a pour 2 heures. Il en a pour, comment, 2 litres. Celui qui veut traverser ici, il paye en aller-retour 50 000 francs. Ça, c'est vraiment des difficultés avec ces pauvres paysans. Bonsoir, monsieur le préfet. Oui, bonsoir, journaliste. Ok, vous êtes accompagné d'une forte délégation aujourd'hui pour faire état des lieux par rapport à cette vague de montée d'eau dans la collectivité de Bangouya. Oui. Alors, quel est le motif exactement? J'ai été appelé par monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation concernant la remontée des eaux dans les retenues du barrage Soapeti. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une forte remontée de l'eau de pluie dans les collectivités, de Bangouya jusque dans les secteurs de la sous-préfecture. Actuellement, nous sommes dans le secteur de Tombo, qui est Tombo-Yatea, qui est fortement impacté. De là où nous sommes, on n'a pas 10 mètres. Hein, la distance entre l'eau et les habitations. Donc, nous avons demandé à la population, au fur et à mesure que l'eau remonte, ils n'ont qu'à aller au fond du village, c'est-à-dire se déplacer, toujours s'éloigner de l'eau, parce que avec la remontée de l'eau, il y a des serpents, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, même l'impureté de l'eau. Ici, les puits qu'ils utilisent, on ne peut pas les utiliser maintenant parce que ils sont affectés. Donc, ils ont beaucoup de doléances. On les a recensés. On va les remonter au niveau de monsieur le gouverneur, qui va les remonter au niveau de monsieur le ministre de l'administration pour le gouvernement. Voilà, monsieur le préfet, à l'heure qu'il fait, l'urgence est de les assister en denrées alimentaires. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et pour un premier temps, ils ont été recensés par la sous-préfecture qui va, lorsque nous sommes passés le vendredi, le directeur général de Anguche était avec nous, qui leur a dit de se faire recenser et de remonter. Et même les cultures qui sont actuellement et submergées par l'eau, de les recenser et puis lui envoyer toute cette documentation. Voilà, monsieur le préfet, force est de constater, oui, lorsque les missions viennent pour recenser, il y a la réticence de certaines personnes. Dès que ça, les aides commencent à venir, ils perturbent, n'est-ce pas, la distribution. Vous avez, non, quel message? Ceux qui sont d'abord, ceux qui sont recensés, on les sert. Voilà. S'il y a un restant, on pense à eux. Parce que les missionnaires viennent, les fonctionnaires viennent pour les faire recenser. Mais le plus souvent, ils n'ont pas confiance dans ces missionnaires-là. Donc, ils ne se font pas recenser. Mais dès qu'ils voient une lueur d'espoir, tout le monde veut venir pour dire que je suis impacté. Voilà le problème. J'ai le cas à Mambia. C'est ça. Voilà, monsieur le préfet, nous avons fait cap aussi au niveau de Bangouya Centre. Vous êtes intéressé par rapport à ce transport, s'il faut dire, maritime, l'ijage des pirogues. Et vous avez pris des dispositions par rapport à ces pratiques. Revenez un peu sur ce point. Oui, à Bangouya, nous avons vu que les gens qui utilisent les parcs n'ont pas de gilets. Cependant, les gilets ont été donnés par l'ANAM, hein, l'Agence nationale de la navigation maritime. Donc, les gens qui n'ont pas mis, et les piroguiers qui n'ont pas donné les gilets aux passagers, j'ai saisi les outils qui leur permettent de naviguer. Je les ai remis à monsieur le président de la délégation. Tant qu'ils ne se mettront pas dans les normes, ils ne vont pas naviguer.
Et tout de suite, je lance un appel à l'agence de la navigation aérienne et maritime, l'agence de la navigation maritime, ANAM, de faire encore un tour vers Bambouya, parce que les populations ici à Tombo me disent que les gilets qu'ils ont reçus sont maintenant fatigués. Donc, il faudrait qu'ils fassent un tour pour pouvoir équiper encore ces populations. Ils sont vraiment, vraiment dans les difficultés. Là où ils avaient une heure de traverser à pied, c'est-à-dire marcher même à pied pour traverser d'ici, aller de l'autre côté, aujourd'hui, ils sont obligés de faire un détour. Ou, pour celui qui a la moto, il en a pour 2 heures. Il en a pour, comment, 2 litres. Celui qui veut traverser ici, il paye en aller-retour 50 000 francs. Ça, c'est vraiment des difficultés avec ces pauvres paysans. Donc, voilà. Il faudrait qu'on prenne des dispositions par rapport à ça. Voilà, monsieur le préfet, vous venez encore d'apprendre la mauvaise nouvelle. Qu'il y a une pirogue qui a chaviré hier, comment on appelle ça, qui a entraîné la disparition d'une autre personne. Votre compassion est quelle? On compatit à la douleur de la famille et pleurer. Et nous regrettons vraiment cet état de fait, cet accident. Mais c'est la volonté de Dieu. La pirogue a chaviré avec 4 personnes. 3 sont. Kassare Nannabama. Alakou Ntanganama. Et Nagan Itari. Mubarame. Non. Ngasika ya kosi. Non. Ngasika ngavale mangasai be. Mangasai ga gurutina. Ule na lagu. Non. Ah, prefe fane be ana muiki, ana muiki. Ah, ne na kama kamara kama na nakina. Ah, amu ule kono fata bidi aneira. Adi. Muna falama. Unti dendereki. Mara gouverneur ki mara fala muti gendere ega sa bangi singe ma village amu metro funu sulili ma yeyira nan yat ntam ma calcul ma voilà mais donc woto ay tari nan wara te dondurunti kadi na sebe president akadi na tema parce que tout fari yebar fambe wala no tuné barño c'est ce mouna bambo son tuné fa fa tamuna ayam fa sou ta no no malaki no no malaki donc a une disposition tongoma. On a ton goffolo, la cause. Mais nous, tamouna rali. Disposition moundou na otama. La quoi n'a rien à b. On a ma sécurité. Mais c'est là. Je sais n'a pas, Seigneur. Seigneur, c'est là. La guine est un bradau. Voilà, mais, Nafang, Inch'Allah, moi, là, il est tombé, ma rorintima, tindé à tapé, un an de stop, n'a ressemblé à ma présidente, ou à faux pour des générations, un bel mangasin, un bel mangasin. Mon préfet, Nam, à Funakri, il y a un produit très efficace aussi. On appelle l'isolant. C'est ça, tu connais. C'est ce que j'ai dit. Bim mangasai gafa. Mere nana. Mere fahri le bendouma. Le rafima. Alhamdoulilah, kirata mfa. Moto kirata. Nafa. Si la rame, ibarakata, ibarakirawa. Aïe nous allez. Alhamdulillah. Ah,
Donc j'ai conquis une raie qui gilet de sauvetage mon na non parce que conquis une raie nara il est ton caramba milia na li ye mubolong ye na conquis ye lang era garanti la donc on a garanti et man tu vas son on a conquis de on a tu vas son on a quelque chose qui a mis yungu magai de alors que jamais na vitas bon modi na kina ki balon bon modi voilà c'est jamais soiré na ki ni tantu mon est pourri on est ça et man ni tongo ki ye on maïs Voilà, nagal la rara nek akhil aledi sa bila da fo na 18 ans parce qu'a passé que dijem net o faré konoma abriwe nan tanti mais macha to akhildi akhli sal fasilla OK abara marié non marié c'est de 18 ans OK merci voilà préfet barafa atayati abara compassion abara encourager nagara ba nak ya bara sensibilisation ral ba ñaralay mundu na wo non préfet on na mon ala xambi sati de xuma ala xaj yalam parce que fi na xéra ba may ci amangemu ya na xangira ba ma man troy na miskini so wa sa tambi tongu afa ha fi yireli ak courage fi ma ay ni tornu sage sa amangemu ya na la ndirat ko ma tan ci ndia ko manema délégation na ba ma mais mo tam man troli yefi man troli ba jinyo fi man troli ba amou kay raka kay ma datta nan jette yette fama kanna afa no miskine fa yar lañu vraiment nabara mako ñaxali o do wama na be ala xande sa fa yuma ala gati di yuma sa ala xajala ñu fama ba di me febi mi raka jala ñu fa wala ala xajala ñu fama ala ga baraka sa gadi ala baraka sa gabi parce que miskine na yama ñu gabe ana ma ran dina ala luma gabiru nan na khaira ya yu na gara akhira isa me ka tam na raba ma fiw tam na ba ma singe ga moy ki dina ka yura ba bi fo sa tam bi to ngou vraiment nabar mo ñagalé ki fay nabar mo ko ñagalé ma ngel so ngay lamay xey ya ka na ko ma parce que na miskini na ma ngam miskio hu na tam susa mi rami ta dira susa mara en tant qu'il va ma ma kya na ka ma susa mi rada kina vraiment tam bara te ne tam ya mara susa ra merci bara ya hasa do bangu ya ra ti tam bi ni walde na na bi ra bon ke be ni na fa ye fa ma ya ma ana ba de na kay ñe ko mo wor ha mbeta live sono bon ki wale na hadisan mandan gaye na na lotu dangi kay ki ana fa mbirin dongo batu parce que yi ra bi bi ta ha ko gutan abrin de rain abrin de rain ha ko yo wa ye wa do se irin de dongo anan de dongo ki to far ki ama nan de na khambira be de na khambira de mo no ma to de mo yara parce que mo tan fo mo ra to wala wona to yara ko ya to ma ko ma watu yara nena mi de ha ya khambira be wala asanda ye den na de den na khambira be faso ki ha den na be bi ya na o de na ma be na gobirla mo ga kina so gobirla mo ga jira na so me gena na to na na ma ya kenen dai ta bala ki o ta wala ah
Dès que l'eau saute au niveau du barrage, le barrage, ça commence à descendre. Mais tant que ça ne saute pas, ça tape, les affluents ne font que se remplir parce que ça ne bouge pas. Voilà. Thank you.